Ma Mission TV, le miroir du monde. Catastrophe naturelle. Boyebi, mon conseiller Kalansaki appelle la solidarité. Bisso, bien que Eli a Kinshasa, je ne pouvais pas continuer à la Kinshasa sans Koya pour apporter soutien à Ngaï. Naye accompagné na partenaire na Bisso Eco Énergie. Tuende tupike pole kwa banduku yetu ya Goma ina vile ndio pale tunashuka hapa depuis mardi tuko na visiter mafasi zote ile kuko basinistre ndio tuapporte kitu kidogo hatuna na bia mingi me ile geste tu inatoka muho yetu ndio mutaipokelea ina vile tunamiletea kitu ya kula tunamiletea mai pale utaona tunaleta ile masiterne mbili za kula. Eyé, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremple Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremple Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Tremple Royal, Kano Kakae. Maman, on a une maman de sécurité.
Jambo kabisa batoto agoma. Tunakuya pa kumipikie pole kabisa njuu ya hii katastrofe naturel ile inatupika. Katastrofe naturel ile volkan ya Nyiragongo inamipika, inatupika na shie. Haina vile. Tulikuwa Kishasa, raisi wetu Félix Antoine Tshisekedi analanse ile cri ya solidarité. Anasema hakuna namu tumiache mwe banduku yetu, ba mama na ba baba yetu. Haina vile. Njo vile raisi wetu anatoka Kishasa, anakuwa kuikala na mweye hapa, njo amipikie pole. Tulianza mardi mwile elan ya solidarite na ba partenaire yetu Eco Energie, huyu iko represente hapa. Bobiko mumambo ya makura, me banasema elan ya solidarite iko na tukonserne shie bote. Il faudrait tuende tupike pole kwa banduku yetu ya Goma. Ina vile? Njo pale tunashuka hapa depuis mardi, tuko na visiter mafasi zote ile kuko basinistre, njo tuapote kitu kidoko. Hatuna nabia mingi, me ile geste tu inatoka muro yetu, njo mutaipokelea. Ina vile? Tunamiletea kitu ya kula, tunamiletea mai pale, mutaona tunaleta ile masiterne mbili, njuu mutakunywa, mutakula. Haina vile? Kile tutasema ni mufanya ile partage kidoko itafanika muordre, tutairemetre kwa komite ile tunakuta hapa, paske bonjo anajua koma komidentifiye. Tunasikilizana? Donc tuko pamoja, hatutamiacha hata siku moja. Tunasikilizana? Donc mimi niko honorable Kalonji Ogu, niko eli wa Kishasa. Me niko député national, ni député wa Congo muzima. Aina vile? Donc hii katastrofe inapika Goma, kesho itaweza kupika Kishasa, Kasai, partout tutashuka njo tupike pole. Tunasikilizana? Voilà, donc symboliquement tuta remettre d'abord masque vile munajua coronavirus iko, il faudrait muweke masque. Tuta remettre kwa ba mama kidoko, la suite président batabakia kubifanya, et puis quelques bandes kwa ba mama, suite président tabakia, et puis njo atakamata bitu yote tunaleta. Tunasikilizana? Voilà. Thank you.
Voilà. Mu mikono ya komite bonjo batajua vile batafanya. Unapata kidogo unafurahi, unapata kidogo unafurahi, kidogo kidogo njo mwanzo. Ila vile tutarudia tena, tulikuwa kuniangalia, tutarudia tena njo tuendelee na kusalijana. Tunashikia asante kuya kurepondre kwa apel ile ya raisi wetu. Njoa nasema ifo tusalizana, njoo mimi nafika hapa. Donc shina député wa Goma. Tunasikilizana? Tunafurahi sana. Nashukuru sana au president au nani député mwema mtoto wa Machakwa. Nimekuwa na tunataka kufanya njara, nimemaliza shuma tatu na tukose. Bako na leta Machakwa kwa watu wa Rwanda hapo. Tunafurahi sana au député wetu. Machakwa akakao. Hapo kabira hii tunafurahi sana kitu watoto wanazapa kama chakula cha kukura na Mungu akubariki. Nani? Ninashukuru kuona tunafunga juma tatu na tupate chakula. Mungu anasaidia na tuletea huko baba. David anatuletea chakula, Mungu ambariki. Mungu analala kumajiwa, anatusaidia na tuletea matela na tuletea na yeye kila. Basi Mungu akubariki siku nyingine yake. Ici, nous sommes à Goma, nous poursuivons notre séjour, toujours dans le cadre de l'élan de solidarité. Vous savez, le chef de l'État avait lancé cet appel à la solidarité pour venir en aide à nos frères et sœurs de Goma qui ont été frappés par la catastrophe naturelle, ces volcans de Nyiragongo. Nous sommes venus répondre à cet appel en y apportant quelques affaires, quelques vivres pour nos frères. Nous avons apporté le riz, des mousses, la farine. Nous avons apporté plusieurs choses, y compris des citernes d'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Nous sommes accompagnés de notre partenaire Eco-Énergie. Vous savez, avec Eco-Énergie, nous avons lancé l'appel. Nous avons plutôt lancé la caisse de solidarité. À Kinshasa, nous étions les premiers à le faire. Eco-Énergie et la banque FBN, nous l'avons lancé. Aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre cette action où les pourquoi vous nous voyez à Goma. Donc, nous lançons l'appel à ceux qui ne le font pas de le faire, car nos frères et sœurs ont besoin d'eux. Le peu que vous pouvez avoir, il ne faut pas oublier que nous avons des frères, nous avons des sœurs à Goma qui souffrent et qui ont besoin de votre aide, comme nous l'avons l'habitude de le dire, qu'être millionnaire ne dépend pas d'avoir beaucoup de millions en banque, mais c'est donner sourire aux plus vulnérables. Donc, Tozana Esengo, Yakozala Nagoma, pour nous apporter soutien à Bissot, na bande kona Bissot, Oyo Bazala qui frappait la catastrophe naturelle. Boyebi Mokonziambo Kalansa qui appelle la solidarité. Bissot, bien que Eli à Kishasa, je ne pouvais pas. Kotika na Kishasa sans Koya pour apporter soutien à Ngaï. Naye accompagné na partenaire na biso Eco-Énergie. Bango baloba ki to kotika la kana makambo ya énergie te. To ya pe kosunga bande ko ya Goma. Oyo za suite ya caisse ya solidarité to lansa ki na Eco-Énergie na FBN Bank na Kishasa. Donc to ye pona ko apporter soutien na biso. To ye na biloko ebele. Oyo eza mouke, tozo poursuivre na séjour na biso. Toye na ba sucre, ba fufu, ba pomme. To memeli bango ba mai, comme vous voyez, que l'eau c'est la vie. Donc, tozo ensemble.
des significations et présence na biso bazo amuketo yeli bango ezo uta na motema na biso ko to zala elongo. Merci. Ces jours à Goma, nous nous sommes Éconergie, un bureau conseil en énergie, un bureau conseil énergétique. Depuis 1998, on s'est dit qu'on ne devait pas croiser les bras. On est venu répondre à l'appel du chef de l'État pour compatir avec nos frères de Goma, ceux qui se cherchent. Et puis par après, on est venu aider parce que, même dans la Bible, dit, dans Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Faites aussi comme nous, en partenariat avec FOCA, nous sommes associés pour venir en aide nos frères de l'Est, à Goma précisément. Faites aussi comme nous. Et que Dieu va mettre et tendre sa main à travers tout ce que vous allez faire. Par rapport à la caisse de solidarité. Bahat Maene Pierre, je suis comme moi, j'ai un Kamati, je suis un ami à la sinistre, je suis un ami à la catastrophe, je suis un avocat, je suis un gongo, je suis un 22, 6, 2018. Le 22 mai 2021, il y a pas de site à Tahemou. Il y a un ami à la santé, la Choukouran, par honorable député national. Je suis un peu plus de temps, 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 je suis un peu plus de temps. Merci de la merci. Vraiment, merci. Je suis épaulé. 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 Thank you.
Ah ça. T'as vu tout ça, là? Comme ça, on dit à Goma, non? Oui. Ah. T'as vu tout ça, là? Mama, on n'a pas bien communiqué hier soir. Qui a vécu? On n'avait pas bien communiqué. Voilà, c'est à Goma. Merci beaucoup. C'est pourquoi là, vous voyez notre club de Comoros, vous avez vu aussi. Parce que nous sommes commandés par l'honorable de Colosio Tambo, qui est notre chef direct. Voilà, nous avons notre équipe de femmes ici, Nana Cécile, celle qui présente toutes les femmes. Et aussi, nous avons mon vice, qui est nommé Jacques Sou, qui va être là-bas sur notre staff. Nous sommes le chef de cellule, dans deux quartiers là-bas. Parce que par rapport au Covid-19, on a bien dit que non, on ne doit pas être qu'un endroit ici. Parce qu'il faut d'abord respecter le règle de Dieu. Ce qui est dit par le président. Il devrait être exemplaire à tout le monde. On a dit que non, il doit être un peu moins nombreux ici. Mais nous souhaiterions que vous arriviez à notre bureau là-bas. Et ce sera vraiment un peu. Parce qu'il y a tas d'autres personnes qui sont au bureau, qui vous attendent aussi. Ainsi que de vous voir, serait vraiment très important. Vous rencontrer ce jour, j'étais au courant, mais je crois que c'est les mesures barrières qui ont fait qu'on n'a pas pu arranger les choses pour se rencontrer hier. Parce que comme il y avait plusieurs délégations qui arrivaient à l'aéroport, on ne s'est pas permis cela. Ce que vous faites, ça nous encourage. Merci. Ça nous encourage sincèrement parce que quand vous êtes à l'œuvre, pour les comptes de l'État, pour les comptes de la population, voir la population derrière qui vous accompagne, de loin ou de près. Nous, acteurs politiques, ça nous pousse encore à beaucoup faire par rapport à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Je crois que nous avons une vision. Nous sommes en train de préparer encore, nous sommes encore à la cuisine. Et certainement, d'ici là, nous allons vous servir. La vision, elle est là. Nous sommes en train de travailler dur. Nous sommes en train d'arranger bien les choses. Pour être sûr que, avant peut-être 2023, selon que Dieu va vouloir, on va communiquer ce que nous pensons faire. Donc là, vous avez nos encouragements. Le combat, c'est faire en sorte que les gens de Goma sentent qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Voilà. Que les gens de Goma sentent que nous pouvons faire des choses mieux que ce que les autres ont fait hier. Donc nous sommes inscrits dans cette politique-là, de faire la politique autrement. Voilà. Nous sommes dans cette logique-là de faire la politique autrement, de faire mieux que ceux qui ont fait la politique hier, de faire mieux que ceux qui ont poussé la population à insulter l'homme politique, à croire que l'homme politique c'est le plus méchant qui puisse exister dans ce monde. Donc nous sommes inscrits dans une autre logique en tout cas, où les choses doivent totalement changer. Donc nous sommes très heureux de ce que vous êtes en train de faire. Lui-même aussi viendra ici dans les jours à venir. Nous sommes en train de préparer ça. On va faire une ronde. On fera Goma, Beni, Butembo, partout là, le Kasaï. On est en train de se préparer. On va vraiment faire une ronde dans toute la province pour voir tous nos amis et se mettre d'accord sur comment nous allons désormais évoluer. Parce qu'il y a certainement un plan que nous sommes en train de préparer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mais pour réussir ces plans-là, il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on comprenne c'est quoi la vision. Voilà, donc ça c'est en quelques mots ce que je tenais à vous dire, vous encourager dans ce que vous faites. Il ne faut pas lâcher. Qu'on soit présent ou pas, il ne faut pas lâcher.
Le bon soutien d'ailleurs, c'est quand on n'est pas là, mais on sent que vous, vous vivez, vous continuez à fonctionner. Nous, ça nous aide. Nous sommes avec Honorable, on travaille toujours avec lui. Lui n'est pas à Goma, mais nous sommes là avec notre équipe ici, quand même on bosse du jour. Même, nous sommes déjà à Walikale, nous sommes à Bukavu, nous avons été menés à Ouvira pour implanter le club, même ici à Massissi, partout là nous sommes. Bon, il y a des questions là que les gens posent toujours par rapport à notre famille politique de Komiwatu. Les gens disent que non, voilà, il faudrait que le parti soit maintenant là. Parce que ça, c'est prioritaire pour nous. Et comme vous êtes là, là nous voyons directement l'honorable de l'écologie ici, qui sommes en train de dire directement que le parti soit là. Parce qu'avec le parti, ça va nous donner encore l'autre élan dans la politique. Et notre vision, nous, nous voulons toujours bouleverser tant de tendances ici dans la province. Par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, à l'ère du FCC, ainsi qu'à l'ère à cause. C'est là que notre souhait est que de changer d'abord ce que nous sommes en train de voir. La gestion de la politique provinciale, tout ça avec Tokom Wapi, quand même, avec votre soutien, je pense que ça va aller. Ça va nous encourager encore de travailler tout dur. Puis tout ça, quand même, ça va nous édifier. Parce que les gens me demandaient toujours, non, comment on peut voir l'honorable, quel que soit qui vient de Kinshasa. Parce qu'il y avait une délégation qui était ici, mais cette délégation n'avait pas de force parce qu'il n'y avait pas une autorité nationale. Ouais. Soit honorable, soit vous, vous n'étiez pas là. Mais à votre présence ici, notre staff quand même, on va dire que nous, voilà, nous avons des hommes forts par rapport à ce que vous faites. Non, nous sommes en train de travailler sérieusement. Dites-leur, c'est une question qui nous tient à cœur. Mais nous sommes en train d'y aller méthodiquement pour être sûr que nous allons réussir. Dès qu'on lance, c'est une réussite. Donc on ne peut pas se précipiter. On doit faire les choses bien. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Mais en tout cas, la vérité est que on ne va pas lâcher. Le bateau est déjà en marche. On ne va plus lâcher. Nous, on aimerait demain, on a 5 députés élus de Goma, 1 ou 3 à Bukavu, partout. Et c'est ça qui constituera notre force. Donc, rassurez-vous qu'on va vraiment aligner les gens. Ouais, c'est là qu'on travaille toujours aussi. Si nous nous rassurons que nous, quand même, nous sommes en train de travailler, en train de travailler là-dessus. Parce que quand on se lance dans la politique, on doit travailler durement. On se dit que non, nous savons comment le politicien de Goma travaille, que nous sommes aussi plus ordinaire que vous. Voilà. Nous savons où toucher, quoi faire pour réussir. À l'Assemblée nationale, Joseph Kabila, on dit qu'il touche 600 000 dollars le mois, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Et pourquoi jusqu'à maintenant cet argent-là, donc Joseph Kabila continue à toucher cet argent. Et puis le député ne disait rien à propos de ça. Bon. Il y a eu une loi qui a été votée. Ça, c'est important. Quand on vote une loi concernant les statuts d'un ancien député, les statuts d'un ancien sénateur, les statuts d'un ancien premier ministre, d'un ancien président de la République, il n'y a que la loi qui peut venir modifier celle-là. Donc, ce n'est pas la déclaration d'un député qui peut changer quelque chose. Alors, si on enlève, c'est ça la logique, si on enlève la haine dans mon cœur contre l'individu de Joseph Kabila, ça c'est les avantages liés à la fonction d'un ancien président de la République. C'est-à-dire que même demain, dès que le président Tshisekedi deviendra honoraire, il va toucher ça. Vous êtes qui? Je m'appelle Kambale Kamango Bovic. Je suis le président fédéral du club de Tokom Wapi, Nord Kivu. Quelles sont votre visite ici? Nous sommes ici pour rencontrer l'honorable Ogi Kalonji, parce que c'est l'un des honorables plus forts en République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi nous nous sommes venus ici pour l'accueillir et pour lui dire réellement bienvenue à Goma, partant de sa mission ainsi que visite ici dans notre province.
quels sont les messages que vous avez donc parlé avec l'honorable Kalonji? Oui, vraiment, c'est un homme fort. Il nous a vraiment bien d'abord accueilli. Et on a échangé avec lui et c'était vraiment très bien. Il nous a dit par rapport à l'état de siège, dit que non, voilà, il doit transmettre le message que nous, nous lui avons donné auprès du président de la République, parce que c'est inconcevable de voir que non, l'effectif militaire ici chez nous, on disait qu'il c'était 22 000 soldats, mais c'était la vraie réalité sur 50 000. Et ça nous étique, ça nous étonne et ça nous rend malades. Et c'est pourquoi nous, nous lui avons transmis ce grand message, pour que lui aussi, à son tour, donne ça à son Excellence, Monsieur le Président, Félix et Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Deuxième proposition, c'était concernant l'égorgement de la route ici dans notre province. Vous voyez que nous, quitter Goma jusqu'à Walikale, c'est un grand problème. À son temps, son Excellence Kaungia Julien Paluk avait inauguré une route à terre battue qui n'était pas digne de son nom. Alors aujourd'hui, nous nous voulons casser que le gouvernement de la République puisse construire de bonnes routes ici dans notre province et ça sera vraiment notre joie dans la province. Ici à Nord-Kivu, quels sont les messages que vous allez transmettre à le ministre du Transport Cherubé Okende? Oui, nous disons d'abord à son Excellence Monsieur le ministre Cherubé Okende de travailler durement pour d'abord baisser le prix de l'avion. Parce que vous savez que nous quitter Goma à Kinshasa, c'est trop loin. Et c'est inadmissible. Nous, les gens de Goma, la population, nous quittons ici à Goma pour aller au Rwanda, aller visiter Kigali comme capitale. Mais pour aller à Kinshasa, c'est un grand problème. Et ce n'est pas notre souhait. Alors, pour lui, Cherubé Okende, de travailler sur ça, de voir comment est-ce que chaque Congolais peut être libre de circuler dans son pays et même arriver dans la capitale. Et c'est là, c'est aussi au niveau de la route, de travailler ainsi que préparer bien la population sur des voies dures. Pour votre autorité, l'honorable Eliezer Tambwe. Oui, nous saluons d'abord notre autorité Eliezer Tambwe qui a permis qu'à ce que nous soyons ici et à la contre de l'honorable Cherubé Okende. Vraiment, nous félicitons. Kalonji, que je m'excuse, Cherubé Kalonji. Nous vraiment nous félicitons vraiment ça et ça nous encourage aussi. Et nous disons vraiment que nous sommes de cœur avec lui et nous sommes toujours là pour travailler à notre cher club Toko Miwapi Nokivu. Merci beaucoup. Oui, nous vous remercions aussi. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae.
Ma Mission TV, le miroir du monde.